tous, c'est Monsieur Logan Game et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où j'ai fini mon GTA 5 sur PS4, donc le voici. Donc je veux dire, qu'est-ce que j'en pense? J'ai fini hier soir, franchement. Bah, vous savez, un GTA 5, vous connaissez, franchement, vous avez sûrement essayé. Soit vous adorez, vous aimez même pas, mais franchement, il est top, il est bien. Donc voilà, nouveau, je sais pas, là, j'ai un mur blanc. Surtout bah, mon reflet. Mais bref. Donc voilà. Je suis debout. Des fois, ça serait bien de faire des vidéos debout. Je pense que c'est bien. Hein, j'aime bien. Bon, bref, on n'est pas là. Donc, pour ce bah, GTA 5, qu'est-ce que j'en pense? Alors, on va faire dans l'ordre de A à Z. Déjà, ce jeu, on peut jouer en mode histoire. Et en mode. L'histoire est en ligne, voilà, je cherchais. Et puis déjà en mode histoire, le mode histoire il est bien, il est cool, long, il y a plein de missions, on a faire plein de choses, custom les voitures, etc. Les missions, taper des gens. Ce jeu est cool et très long. Il y a 69 missions dessus, vous avez quoi à faire. Ce jeu, moi j'ai fait en quoi? Très long, j'ai eu de ma console un mois. J'ai eu un mois, ça fait un mois, je crois, non, pas long, très longtemps ou bientôt. Mais bref, voilà quoi. C'est. Non, on est le 16, c'était la Saint-Valentin, c'était le 14, donc ouais, ça fait un mois. Bah, un mois. Et encore, j'ai pas joué, donc au bout d'un mois, vous avez fini, vous pouvez faire un mois de jeu. Pas très cher, je mettrai, si vous voulez, un lien d'inscription pour tous les consoles. Et PC, GTA 5 sur Amazon dans la description, allez la voir. Voilà, si vous voulez l'acheter, essayez, pas trop cher. Voilà, neuf vaut allez environ 50 euros, occasion une bonne dizaine d'euros. Moi j'ai avec la console, donc voilà. Donc pour un jeu, allez-y, les yeux fermés, hop, cliquez. Voilà, ça va. Surtout que je reproche, bah, un jeu n'est pas parfait, parfait, 100%, parce que les gens, bah, ça dépend. Moi j'aime bien, sauf. L'émission, surtout Rockstar modifie ça parce que le trajet est long. Parce que c'est chiant le trajet. Il y a des fois, je crois, c'est dans les dernières missions, 12 km. Oh, les dix, j'en ai marre, c'est long. Et surtout avec des camions ou des tracteurs, ça fait encore plus long. Donc voilà, quand Rockstar modifie ça, je suis impatient au GTA 6. Qui sort là, j'achète pour 50 euros. Bon, ouais, les yeux fermés, franchement, trois personnages, vous pouvez changer les graphismes. Après, voilà quoi, des missions. Il y a des missions que j'aime pas, bien sûr. Genre, je me rappelle plus, mais il y en a une dizaine de missions. Après, les points d'interrogation, tout. Voilà, ce jeu, je l'aime bien. Je sais pas quoi te dire parce que j'aime bien. Après, j'ai vu le trajet, c'est chiant. Après des trucs, bah, je sais pas, après voilà quoi, c'est bien. Je sais pas quoi trop dire. Après, en mode en ligne, bon, sur les consoles c'est payant à part la PS3 si vous voulez jouer, donc voilà. Après, juste à part ça, c'est juste la console, c'est pas eux qui font payant en ligne. Pouah, vous pouvez vous amuser, je pense que le jeu il est bien, c'est plus les deux. Mais dès que ça finit l'histoire, bah, après c'est en ligne, donc voilà. Ça dépend le mode en ligne. Vous pouvez jouer avec vos amis, jouer comme ça, des courses et activités comme des vidéos. Là, j'ai fait bientôt une vidéo sur GTA en ligne. Donc, course là, j'ai payé. Bon, après, voilà, c'est gratos, 2 jours gratos. Donc, voilà. Ouais, bah, les activités, ça dépend des consoles, mais les activités, il y a plein, enfin, les nouveaux consoles de genre PS4 et Xbox One. Il y a plus de contenu sur les jeux, ils font plus de trucs. Là, les autres consoles, ils l'ont laissé, puis là, ils font des améliorations. Il y a des nouvelles voitures, genre la DeLorean, des complexes, tout ça, c'est des mods, des DLC. Donc vous pouvez y aller. Bon, par contre, l'argent dedans,
c'est cher. Pour gagner, il faut faire des trucs, des missions et tout. Voilà, c'est ça qui est un peu chiant. Donc voilà, c'est extrêmement cher. 4000, je me rappelle 4000 des bourrettes pour une DeLorean. Voilà, c'est. Bon, après, c'est dans le jeu. Hein, je parle pas en argent, hein, j'allais dire 4000. Voilà quoi, c'est dans le jeu, avec de l'argent en dollars du jeu. Bon, ça c'est dommage, on peut jouer à un joueur, mais on va pas se plaindre pour un jeu connu, hyper connu. C'est connu ce jeu. Après en ligne, on peut jouer jusqu'à en réseau jusqu'à 30, je crois sur PS3 c'est 16, un truc du genre. Donc 30, on va avoir 30 amis. Le poids, bah, après, voilà, après je parle, j'aime bien, c'est mon jeu préféré, ça restera celui-là, à part, enfin, on verra, mais sinon celui-là, donc voilà, c'est plutôt classe, ça dure, allez, là, ça fait 6 minutes, donc pas une vidéo extra longue, abonnement PlayStation Plus requis, voilà, il précise, juste là, ça dépend, là, ils disent, parce que, voilà, sur Sony, après, il faut payer, enfin, ça va encore assez cher, faut payer le jeu, ça vaut, allez, 9, 50 € on va dire, plus le PlayStation est à 60 €, donc voilà, ça revient cher, après ça c'est dommage, parce que, ouais, là en tout cas on peut avoir à la 44 € pour 12 mois, 1 an, donc un peu moins cher que 59, donc voilà. Après voilà ça, plus la console qui vaut 300 et 200, 300 €. Et après voilà. Dommage, sur en mode histoire, on peut pas jouer à plusieurs, il y a trois personnages. À trois personnages. En gros, si on connaît la manette de 1, on a Franklin. Si on connaît 2, bah, Michael. Et le 3, Trevor. Comme ça, on peut jouer ensemble à la maison avec des amis en ligne. En histoire, parce que comme ça, en ligne, bah, si vous ne pouvez pas payer, bah, comme ça, on peut jouer avec des amis. Ils viennent chez vous. Hop, et en mode histoire. Et puis c'est bien, ça serait cool qu'on peut jouer en mode histoire à plusieurs, comme ça, bah voilà. Parce qu'il y a trois personnages, comme ça, on joue et on s'amuse encore mieux. Quand on est en mode histoire, voilà, ça fait une mission. Ça, il manque un peu, sinon, magnifique. Surtout les graphismes par rapport au cadre direct. Là, voilà. C'était tout pour cette vidéo, juste pour expliquer. J'ai fini, j'en pense. Et bien, c'est la première fois que j'ai terminé. À la fin, on demande. Je ne veux pas trop spoiler, mais ceux qui n'ont pas encore joué, voilà. Achetez-le, essayez-le, mais à la fin, voilà, je veux dire juste, on choisit entre tuer Michael, Trevor ou sauvetage, on tue quelqu'un, je sais plus, c'est Dave ou tout ça. Alors, ceux qui n'ont pas joué, on va pas trop le dire, comme ça donne du suspense aux gens qui n'ont pas joué au jeu Grand Theft Auto 5. Donc, voilà, ceux qui savent pas, GTA, bah, GTA. Grand Theft Auto, voilà, bref, c'était tout parce que moi je savais même pas, je sais pas, c'est. Ah si, voilà, mais c'est mon père qui l'a vu comme ça. Bon, bref, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est après, j'allais dire, voilà, jouer, et puis, ouais, voilà, si jouer, est-ce que ça vous plaît le concept de vous parler comme ça, debout, vous discuter ensemble? Voilà, c'était Monsieur Logan Game. J'ai rien à dire sur ce jeu. Voilà, comme ça, très voir et on joue ensemble. Comme ça, des frères et sœurs, genre un frère, comme ça, on peut jouer à deux. Parce que c'est chiant. Mais après, il faut racheter une manette. Donc voilà. Et moi, je vous dis peace, abonnez-vous, mettez un like. Allez, bye!